Wimbledon 2013, Jenny Collinet et Delphine Créchery lançaient Amenapi, une marque de bijoux miroir de leur marque de prêt-à-porter, Ipanema. Près de 10 ans après sa naissance, Amenapi est bien plus qu'une simple marque de bijoux et est désormais une nouvelle enseigne à part entière. Voilà pourquoi depuis 2020, pour marquer un réel tournant, elle a changé de nom et est devenue Wild. Coup de cœur pour la nouvelle collection de maillots de bain de la marque. Tendance, colorés, réversibles, et intemporels, ils sont aussi et surtout en matière naturelle et recyclable. On valide. Bikini réversible Aero Black, Wild, 135€. Bikini réversible Lemonade de Mocha, Wild, 135€. Maillot de bain Zambie Black, Wild, 135€. Et Nate Shelton 2016, Camille Callan, l'influenceuse Noolita, et Audrey Monlo, la fondatrice de Mon Petit Bikini, se rencontrent pour la première fois à Paris, dans le but de co-créer une ligne de maillots de bain. De cette rencontre est né un véritable coup de cœur amical et une première ligne de maillots de bain en 2017 tendance, sexy et comfy, Noolita X Mon Petit Bikini. Après 3 collections Noolita X Mon Petit Bikini et 3 ans de succès, de complicité et de beaux voyages, les deux jeunes femmes ont eu envie d'aller plus loin dans leur collaboration et dans leur ambition et ont décidé de lancer leur propre marque. Largement inspirée du dressing de Noolita, la marque responsable propose une collection de prêt-à-porter, une gamme d'accessoires et une ligne de maillots de bain, le tout pour toutes les morphologies. Mention spéciale pour le 6-1 qui va du XS au XXL. Bas de maillot de bain taille haut tipi fleuri blanc, NHLT, 33,90€. Maillot de bain une pièce recyclée Palm Springs Leopard, NHLT, 59,90€. Bas de maillot de bain taille haute jupette lime, NHLT, 39,90€. Chichi Castelnango. Derrière ce nom se cache Mathilde et Victoire, deux sœurs complémentaires fonctionnant en duo depuis leur plus jeune âge. Deux femmes, deux personnalités et deux passionnées qui ont imaginé une sublime collection de bijoux, une gamme de lingerie aussi élégante qu'audacieuse et une ligne de maillot de bain dans l'air du temps. Maillot de bain une pièce Léonore, hibiscus, Chichi Castelnango, 85€. De maillot de bain foulard loup, sable doré, Chichi Castelnango, 55€. De maillot de bain triangle Martine, Liberty, Chichi Castelnango, 45€. Girls in Paris. Girl in Paris est la marque de lingerie qui, depuis 2014, milite pour le triangle tout en dentelle porté sous un gros sweat oversize. La marque s'agresse aux filles qui veulent porter de la lingerie sexy sans trop en faire. L'idée était en effet de créer une marque qui soit sexy à la cool, loin des codes habituels de la lingerie dite traditionnelle. Les collections de lingerie et de maillots de bain sont imaginées et dessinées à Paris, avec une attention particulière portée aux finitions, aux matières et aux coupes. Triangle Wild Riviera Froufrou, Girls in Paris, 40€. Une pièce pétale Dolores, Girls in Paris, 59€. Bandeau jaune croisette Donna, Girls in Paris, 45€. Agnès Paris spécialisée dans le bain, l'enseigne propose une gamme complète de maillots de bain mais on note que ce sont les une pièce qui forment la signature de la marque. Retrouvez également, une gamme de produits beachwear à savoir robes de plage, accessoires et cabas de plage. Plusieurs fois durant l'année, Agnès Paris signe des collections capsules avec des influenceuses et propose ainsi une multitude de nouveaux modèles dans l'air du temps. Petit plus, une pochette est offerte à l'achat d'un maillot de bain. Capso Audicio menu ici, des pièces minimalistes et uniques qui sublimeront toutes les carnations. La marque est connue pour ses valeurs puisqu'elle apporte un soutien financier à SOS Méditerranée, une association de citoyens européens décidés à agir face à la tragédie des naufrages à répétition en Méditerranée centrale. Maillot de bain culotte chichi rose, Calypso Odyssea, 60€. Maillot de bain une pièce bleue, Calypso Odyssea, 190€. Maillot de bain triangle chichi anis, Calypso Odyssea, 90€. Carabelle Elsa Paris lancée en 2019, la griffe Carabelle Elsa,
qui veut dire chère beauté en italien, est une marque française spécialisée dans le maillot bijou. Éco-responsable, elle représente l'alliance de deux univers et la rencontre de deux savoir-faire d'excellence, la mode et la joaillerie. La marque repense et réinvente en effet les maillots de bain pour en faire des pièces uniques de prêt-à-porter ornées de pierres naturelles semi-précieuses. La campagne publicitaire de la collection a été shootée dans le domaine de Murtoli, en Corse, île natale de la fondatrice de la marque. La collection et les pièces à associer selon vos préférences sont à retrouver ici. Society. Celles qui sont à la recherche de pièces ultra sexy vont être servies. Nous avons trouvé la marque parfaite pour jouer les naïades brésiliennes décomplexées sur la plage. Society est une marque de maillots de bain française qui réalise des maillots magiques et pour toutes les morphologies. Des pièces qui ont pour mission d'être vos meilleurs alliés dans ces moments furtifs, mais tellement puissants. Des pièces de bonheur qui rendent l'attente plus douce, le moment plus fort et le souvenir plus beau. Qui est prête pour le hot girl summer? Bessaba, Colori Baya, Society, 37,50 euros. Bessaba, Colori Barba Papa, Society, 37,50 euros. Yoriba, Colori Soleil, Society, 35 euros. Fraîche et Salt, spécialiste du maillot de bain féminin qui reconsidère le maillot de bain comme un véritable vêtement et non comme un sous-vêtement, afin de proposer un style unique et différenciant. L'inspiration des designs se puise de l'autre côte du globe, en Californie et en Australie pour des coloris tendance, des imprimés exclusifs, des coupes visitées. À tel point que l'on oublie que la marque est française. Maillot de bain, une pièce d'acier imprimé Vichy, Fraîche et Salt. 115 euros bas de maillot de bain à Manoa bleu, Fraîche et Salt. 50 euros bas de maillot de bain taille Otifa, Fraîche et Salt. 65 euros CSS Swimwear, spécialisé dans la création de maillots de couture. La marque propose des modèles dont les lignes allient liberté et féminité. Les couleurs et les motifs célèbrent la saison estivale autant que la beauté du corps de la femme. L'enseigne conçoit des collections de maillots de bain haut de gamme montés en fourreau, sans couture apparente, pour épouser et sublimer les formes féminines. Chaque maillot de bain CSS offre ainsi à celle qui le porte une sensation seconde peau incomparable. En collaboration avec les meilleurs fournisseurs italiens et français, la marque offre une ode magnifique aux femmes grâce à l'utilisation de couleurs et de matières exclusives. Maillot Formentera, CSS by Pauline, 89 euros. Maillot de bain Lina Jaune, CSS, 149 euros. Culotte Elba Tutti Frutti, CSS by Pauline, 29 euros. Mood Paris, l'histoire de deux amis, Eugénie et Marjorie, qui ne se sont jamais vraiment identifiés à une marque de lingerie et ont toujours rencontré des problèmes au moment du choix de la taille de leur soutif. Et qui ont donc décidé de lancer leur propre marque. En 2018, après avoir constaté que le système de taille des bonnets des soutiens-gorge a été inventé il y a plus de 100 ans et n'a jamais évolué depuis, elle fonde Mood Paris pour proposer des tenues de bain avec une innovation simple à la gradation des tailles, une réglette coulissante qui permet d'ajuster le soutien-gorge à votre morphologie. Eau de maillot 8 mai, Mood Paris, 55 euros. De maillot 14 juillet aquamarine, Mood Paris, 55 euros. Summer collab Mood Paris 10e humaine natural, 105 euros. Elisabeth Salalier aussi adblock test, why?